Allez, bonsoir à tous. On est pile à l'heure. 21h pétante, ça lance. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous avez la musique du jeu, l'image, tout ce qui va avec. Moi, je peaufine mes petits réglages. Ok, j'ai le retour, donc c'est pas mal. Je m'entends, a priori. Voilà, n'hésitez pas à faire de même. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous, même j'ai envie de dire, puisqu'on est un peu plus tard ce soir. Donc, on est parti pour la dernière ligne droite, hein, normalement, de ce Car Mécanique Simulator Complete Edition 2014. Avec ce soir donc le début, le lancement du dernier DLC qu'on a à voir sur ce jeu. Il faut savoir donc le DLC 1 Car Miles que je ne connais pas. Hein, donc pour moi c'est vraiment une pure et dure découverte. Peut-être que pour vous aussi parce que je sais qu'il est un petit peu moins connu ce DLC là. Bah il est sorti vraiment à la fin de Car Mecha 2014. Et bah moi je sais que pour ma part je n'y avais jamais touché. Alors j'ai regardé quand même 2-3 petites choses avant, donc entre la dernière vidéo, le dernier live et celui-ci, bah notamment moi pour faire ma petite miniature, etc., etc. Donc j'en ai profité par la même occasion pour regarder un petit peu comment ça se constituait. J'ai pas été dans l'émission en soi, j'ai juste regardé un petit peu au niveau du visuel ce que ça donnait. Et donc on peut le voir notamment sur la miniature. On peut voir au niveau du garage qu'il y a quelques petites modifications, mais on va en parler justement pendant l'épisode, puisque ça annonce un petit peu la suite des événements, à savoir qu'après on partira donc sur le 2015. Quand, je sais pas encore, je sais même pas d'ailleurs comment ça va se passer en soi. Mais voilà, on va déjà de toute façon dans l'idée faire au moins ce live-là, plus sans doute un autre dessus, puisque c'est de la découverte, donc je ne le connais pas, je ne sais même pas le nombre de missions qu'il y a à faire dedans, j'imagine qu'il y en a autour d'une vingtaine, puisqu'il y avait eu, je crois, 19 ou 20 missions sur le DLC 4-4. J'imagine qu'il y en a sûrement dans les mêmes environs sur ce DLC-là. Donc voilà, on va partir déjà dans un premier temps sur deux lives d'environ 1h30, 2h, selon comment ça va se passer. Et puis on verra bien s'il faut un troisième live pour le boucler. C'est pas grave en soi. Je suis pas pressé, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est qu'on le termine correctement et puis qu'on en ait fait le tour, surtout. Voilà. Donc on va se lancer en jeu, et puis si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, je rattaque, je prends le profil existant, je ne change pas. Jouer, normalement je suis sur le bon, j'avais rechangé, donc on avait fait ça dans un premier temps, je vous invite à aller revoir les anciens lives et les anciennes vidéos de la playlist. Donc je rappelle l'aventure Car Mechanic Simulator, maintenant c'est celle-là qu'il faut suivre si vous voulez avoir vraiment ce jeu-là. Il y a eu une première playlist à l'époque qui s'appelait Car Mechanic Simulator, mais donc pour le 2018 qui est terminée, du coup elle, maintenant c'est du sûr et certain, c'est une playlist que je ne recontinuerai pas. Ça reprendra à la suite de l'aventure Car Mechanic Simulator, mais alors bien sûr il faudra qu'on fasse déjà le 2015 en premier. Mais voilà, mais la playlist reste sur la chaîne, si vous voulez la visionner, il n'y a pas de souci. C'était déjà un petit peu plus, c'était complètement différent, c'était vraiment à mes débuts de chaîne et il n'y avait pas de concept en soi, c'était complètement différent. Donc on a fait ceci, les 76 missions sur 76, on avait débloqué d'ailleurs une voiture blanche à la fin. On a fait ensuite donc, pendant 3 lives, hein, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu, le DLC 4-4, la première extension, qui est donc à son 100% on va dire, avec les 19 missions. Et donc ce soir on s'attaque sur celui-ci, le 1 Car Miles Add-on. Alors la miniature donne envie, c'est vrai comme ça, et de toute façon je vois vaguement ce qu'il faut faire, hein, à mon avis ça va être un petit peu du tuning, enfin je sais pas comment l'expliquer, c'est ce qui va mettre en tout cas en branle d'après ce que je comprends l'histoire du tuning qui va arriver justement un petit peu dans les prochains Car Mécaniques. Je pense que c'est pour ça qu'il avait été fait à l'époque et on va voir justement ce que ça a un petit peu dans le ventre ce soir et puis sans doute sur le live prochain. Puis il nous restera ensuite le mode libre qu'on ira peut-être, je dis bien peut-être selon les durées des lives, peut-être faire un tour dans le live prochain ou dans le troisième selon si on a du temps pour voir ce que c'est, mais je pense que le mode libre, il n'y a pas grand chose en soi, à mon avis, on y fait justement un petit peu ce qu'on veut. Mais on ira sans doute faire un petit tour quand même, histoire quand même de faire bien le tour. Allez, je clique là-dessus, puis c'est parti. Avec normalement la première voiture.
Voilà, donc comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé en soi, le jeu reste sensiblement le même, c'est juste, on va avoir des nouvelles informations. Donc on est sur la facture 0, apparemment. C'est une Vulcan Spectre, donc c'est une voiture qu'on connaît. Et là par contre on a, alors, que j'essaie de bien comprendre, un temps, un quart mile, ouais, ça va être très compliqué, dessous 00-14-10, ouh la vache. Tous les équipements nécessaires pour cette commande sont listés ci-dessus. Ouais, 2000 balles de rémunération. Tous les équipements nécessaires. Ouais, tous les équipements nécessaires. Vous êtes gentil, mais qu'est-ce qui est listé? Moi, je vois un temps, 14 minutes 10. Alors, j'imagine que c'est le temps qu'il faut qu'on fasse avec le véhicule. J'imagine. D'où le, enfin, vu le titre du DLC. J'imagine qu'il faut faire un... C'est un peu un DLC de performance. Je vois ça comme ça. J'imagine qu'il faut modifier la voiture pour qu'elle puisse descendre en dessous de 14 minutes 10. Alors, on va quitter ça pour le moment et on va déjà regarder un petit peu visuellement ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce DLC-là? Donc, c'est toujours le même garage. Hein, on finit vraiment le jeu dans ce plus gros garage-là. Il n'y aura pas moyen d'avoir mieux de toute façon. Le sol qui a changé, alors il est... Il est particulier, c'est damier rouge et blanc, ma foi, on aime ou on n'aime pas. Il y a les taches d'huile, bon. On va dire pour un beau garage comme ça, ils en ont mis, c'est bien, mais ça aurait demandé quand même un petit coup de ménage, hein, quand même. Hein. C'est bon, surtout qu'il y en a vraiment partout. C'est bof bof, hein. Au moins qu'il y en ait à la rigueur sous le pont, si on veut, mais ici par exemple, c'est un peu grossier, je trouve, mais bon, on va passer outre ça. Sinon, qu'est-ce qui a changé visuellement? Alors, il y a quelques affiches publicitaires un petit peu à droite, à gauche, partout. Des choses qu'on n'avait pas forcément dans les anciens lives. Sinon, c'est à peu près pareil. On y retrouve bien sûr notre contrôle technique de ce côté-là. On retrouve également la soufflerie de ce côté-là. Donc ça, ça n'a pas changé en soi. Par contre, ce qui a changé, c'est au niveau des télés. Enfin, je pense que c'est des télés. Vous pouvez voir ici un moteur qui est bien sympa. Et puis ici aussi. Ces moteurs, ils sont pas là pour rien pour moi, puisque je connais la suite des événements, donc notamment en parlant du 2015. Ce moteur-là, vous verrez que c'est ce qu'on va retrouver dans le Car Mécanique Simulator 2015. Vous verrez quand on sera dessus, quand on le lancera, mais ça, c'est une image qui nous sera très familière, vous verrez. Et moi, je pense que c'était pour en faire un petit peu la bande-annonce et justement un petit peu la promotion à l'époque. Puisque, mettons-nous dans le contexte, hein, on est en 2014. Alors, je ne saurais pas vous dire à quelle date il est sorti exactement, ce DLC-là. Mais j'imagine qu'il est sorti en fin de vie du jeu Car Mécanique 2014, je pense. Moi, je sais que je l'ai eu assez tardivement. Et le 2015 devait peut-être même déjà être sorti, il me semble, à l'époque, quand j'ai joué à celui-ci. Mais voilà. Salut, Kevin. Et puis, bienvenue à toi. Est-ce que tu m'entends bien? N'hésite pas à me le dire. Est-ce que t'as le son? Alors, son de musique, non, hein, parce que j'ai enlevé. Ça fait déjà plusieurs lives que c'est le cas. Sinon, j'ai des soucis de droit d'auteur. La musique, il y a une seule musique qui passe pas. Mais par contre, voilà, est-ce que t'as bien mon son de voix et puis l'image correcte. Donc, voilà, voilà. Puis sinon, non, rien d'autre a changé hein, en soi. Alors, si. Oui, nickel. Bon, c'est parfait. C'est impeccable. Eh bien, bienvenue à toi. Et puis, bienvenue aux autres. Je vois qu'on a 3 spectateurs, donc... N'hésitez pas à vous manifester comme Kevin l'a fait. Il n'y a pas de souci, ça me permet de voir qui est là. Et puis de discuter un petit peu avec vous, c'est toujours sympa. Non, la chose aussi que j'ai vu qui avait changé, c'est ça. Donc déjà, ici, on a une espèce de petite tablette, alors qui n'est pas fonctionnelle. Mais c'est dans le jeu. C'est pareil. Ça, vous verrez que ce sera quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans le 2015. Donc je pense que c'est pareil. Hein. C'est un petit peu une introduction à te dire, hé, gars, il y a un prochain jeu qui est en voie d'apparition, et puis c'est le cas, du coup, hein, parce que, voilà, avec du recul en 2022, on le sait maintenant, mais c'était pas mal. Et c'est même ça que je trouve intéressant de le refaire plus tard, finalement, parce qu'on sait ce qui nous attend, et ça, c'est cool. Le PC qui a beaucoup changé. Voilà, on est maintenant sur un fond d'écran un peu grisâtre, bon, ça, c'est pour ça qui me dérange. Le solde, alors, on commence avec 2200$, j'imagine qu'il y a encore un... Non, ils ont enlevé les niveaux, hein, vous voyez, il n'y a plus... Il n'y a plus cette histoire d'arbre de compétences, là. Enfin, d'arbre. C'était même pas vraiment un arbre. C'est pas plus mal, parce que pour moi, c'était inutile. On l'a vu dans la première partie, et puis même dans le DLC 4-4. Alors, c'est pas inutile, parce que ça fait quand même des rabais et puis des gains d'argent supplémentaires, apparemment. Mais moi, j'ai quand même pas trouvé un gros intérêt à ce truc. Donc, c'est pas plus mal qu'on l'ait pas. Donc, on a toujours le magasin de pièces.
parce que j'imagine qu'on va avoir besoin sur certaines voitures, j'imagine, hein. Donc qui n'a sûrement pas dû changer en soi. On utilisera peut-être d'ailleurs même des pièces qu'on n'a jamais utilisées, on va voir. Je découvre, hein, là, je ne le connais pas, hein, donc ça, ok. On a pareil les pièces d'occasion qui, pour moi, pareil, n'ont pas une très très grosse utilité dans le jeu. Mais bon, ma foi, c'est toujours là quand même. Donc ça, ok, jusque-là, ça va. Et on a ça, pièces de tuning. Et ça, je pense qu'on va en avoir beaucoup besoin, à mon avis, dans ces missions. C'est tout l'intérêt, justement, de ce DLC. Donc, il n'y a pas tout. Il y a même très très peu de pièces, dans un sens. C'est suffisant, j'ai envie de dire. Il n'y a que certaines pièces qui sont listées. J'ai envie de dire les pièces les plus importantes pour gagner, à mon avis, en puissance sur nos véhicules. C'est comme ça que je comprends le truc. Du tuning, justement. Donc, on peut y retrouver notamment donc, des pièces un peu rouges. Je pense que c'est histoire de bien les voir, justement, au niveau du montage. Donc, des bougies. Voilà, une bougie d'allumage qui ferait gagner 0,25% de puissance. On va déjà essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne hein, dans ce live-là. Avant de se lancer vraiment. On va commencer avec un premier véhicule, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, bah, on va se lancer plus dans la suite des événements pendant l'heure et demie à se faire un peu de mission. Peut-être elles seront courtes, je sais pas. On peut y changer apparemment les catalyseurs. Donc il y en a plusieurs modèles, catalyseur V6, qui font un gain de 8%. On a du collecteur d'échappement qui se remplace. Voilà, donc je vais passer assez vite. On peut changer apparemment le couvercle de tête de cylindre. Ouais, bah c'est le cache. À moins que ce soit carrément. Ouais. Peut-être directement une culasse. Ouais, je sais pas trop ce qui est représenté, mais ma foi, pourquoi pas. On peut changer apparemment des éléments d'embrayage, le disque. Il ferait un 4%, 12%. Ouais, c'est bah la culasse, hein, je pense en tir. Tout ce qui est faisceau d'allumage. Le filtre à air, bien sûr, qui fait pas un gros gain de puissance, mais bon, quand même. Encore un, là. Un couvercle, donc une culasse. C'est mal traduit. Le module qui se remplace, toujours en rouge. Ça, c'est le collecteur d'admission, très clairement. Collecteur d'admission simple. On a le collecteur d'admission V6. Le plateau pour l'embrayage. On peut changer la pompe à carburant. Un peu de silencieux. Avec les modèles simples, les tuyaux. Les roues. Les roues qu'on peut passer un peu sur du modèle slick. Alors, il y a une Esaing Cougar. Alors, j'imagine que c'est une nouvelle voiture parce que les autres, on les connaît. J'avais vu ça. Faire glisser. Ouais, ok. Je pense que c'est pour un effet course. Quoi. Mais ça, c'est des voitures qu'on connaît. Genesis Stone, Grand Olsen. Tout ça, on connaît. La Refton Van, la Helix 500 et la Vulcan Family, la Vulcan Spectre. Ok. Avec le liseré rouge, c'est bien sympa. Donc, c'est pneus jantes. Hein. C'est un ensemble. Et là, on retrouve encore du silencieux jusqu'à la fin. Voilà, et c'est tout. C'est tout. Donc, il va vraiment falloir jouer là-dessus, à mon avis, pour gagner en puissance. Et on y retrouve également le crédit qu'on peut avoir besoin si jamais on en a besoin. Mais je vais essayer de faire en sorte que non. Donc voilà, j'ai déjà vaguement compris pour ça. En tout cas, c'est l'idée. Et puis sinon, bah, je pense que la soufflerie va justement nous aider à dire si on a du gain de puissance. À mon avis, c'est l'intérêt. Là, pour le coup, elle va avoir une réelle utilité. Le contrôle technique, je sais pas. Je sais pas si réellement on va s'en servir. Alors, peut-être qu'il y a de temps en temps quelques missions qui tombent où faut faire de la réparation, je sais pas. Un petit peu comme dans le DLC 4x4, où ça mêlait à la fois du 4x4, mais également un petit peu de la mission classique de temps en temps. Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'ils ont remis ça. Puis ben, sinon, ben, on retrouve pareil hein, nos ventilos qui tournent. On a normalement, je dis bien normalement, si je clique ici, une nouvelle piste d'essai. Est-ce que j'irai tout de suite ou pas? Écoutez, je vais y aller tout de suite. Normalement, on tombe sur une nouvelle piste. Ça, je l'avais vu parce que ça... Voilà, c'est ça. Ça apparaissait en photo. Donc, on a des feux. Alors, faut pas qu'on loupe le départ. Et on a un temps. 1,8 miles. 1 quart miles. Donc, moi, d'après ce que je comprends, faut que ma voiture fasse moins du temps qui est demandé. Donc, ça paraît assez simple comme ça. Là, on sera à 15 secondes 35. Voilà, on a fait un premier essai. Et en changeant les pièces, bah, j'imagine qu'on va pouvoir... Alors, ça peut être long quand même, sans que ça paraisse, mine de rien. Mais bon. Donc là, du coup, si je vais ici, j'imagine que ça ne me valide pas le truc, puisqu'on n'est pas en dessous de 14,10. Mais je comprends juste pas le temps 1,8 miles dans le...
dans le truc parce que bon bref, on verra bien. Bon, alors là clairement, on sait que la voiture, il faut qu'on gagne en puissance. Alors, je vais essayer un truc parce que on peut peut-être déjà juste gagner, j'en sais rien. Hein. Mais j'imagine qu'on peut gagner en faisant le ce qu'on faisait dans les derniers épisodes là avec le chip tuning, j'imagine. Mais l'OBD Link Pro, donc là on est sur une voiture qui fait 305 chevaux, a priori. Là, il n'y aura pas de gain de puissance puisqu'on n'a rien fait. Voilà. Donc ça c'est vu. On va aller dans le programme EEPROM et j'imagine qu'on peut déjà modifier ça dans un premier temps et ce serait peut-être même suffisant. Mais on va essayer de voir les pièces, bien évidemment. Donc on va essayer de lui faire un... Alors, on pourrait faire le max. Hein. On va essayer. On va surtout essayer de prendre ce qu'on peut. Hein. Vous voyez, là, j'ai un 10%. Bah écoutez, je vais sauvegarder cette EEPROM-là. On va déjà regarder le gain de puissance. Et on va quand même essayer de lui modifier quelques pièces. Puis aller faire un test sur la piste. Et puis ça se trouve, ça validera la mission. Là, on passe à 336 chevaux. Ça se trouve, c'est suffisant. Hein. Je sais pas. On a quand même pas mal de choses à notre disposition pour y arriver. Donc, on va revenir au garage. Si les missions sont que comme ça, j'ai envie de dire, ça peut être assez simple. Ça peut être assez simple. Maintenant, voilà. N'oubliez pas qu'on est sur le 2014 et que... Des fois, la simplicité n'est pas chose aisée là-dessus. Donc, j'ai vu qu'on pouvait changer apparemment un filtre à air. On pouvait changer pas mal de pièces. Et bien, on va essayer de s'amuser à faire un petit peu ça. Du coup. Histoire que ce soit marrant. Parce que c'est quand même tout l'objectif. Alors, on va changer le filtre à air. On va en mettre un mieux. Donc là, je ne veux pas m'amuser à changer des pièces ou à réparer, puisqu'il n'y a rien, a priori, d'abîmé en soi. On nous demande juste qu'elle gagne en puissance, clairement. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Voilà, on va remplacer ce filtre à air-là par un autre. Donc ça, déjà, je sais que je vais le faire. On peut éventuellement lui changer bougie, faisceau. Et on peut éventuellement aussi s'amuser à lui mettre des nouvelles roues. Mais bon, faut aussi que je regarde les prix parce que ça va être ça le plus compliqué à gérer. Alors, pièce de tuning, en fait, on va souvent aller là, on peut changer plein de choses en fait. J'ai 2200 balles, je suis rémunéré 2000. Donc faudrait pas que je dépasse 2000 pour qu'on soit gagnant. Les bougies, ça coûte pas très cher. À la rigueur, c'est un V6 là-dessus. On va lui changer les 6. 3, 4, 5 et 6. Je vais lui changer le filtre à air puisque j'ai démonté. Ça coûte pas cher non plus. Et puis, si je change les bougies, ça serait peut-être bien de mettre aussi ça. Il y en a déjà pour un peu plus cher. 600 et 600. Ah, donc là, peut-être que l'intérêt des... Oui, mais vu qu'on peut pas modifier... Ah oui, donc il va quand même falloir qu'on se méfie. Et les roues, ça coûte cher? Ah ouais, 5000. Ah là, par contre, on va pas pouvoir changer les roues sur cette voiture-là. Hein. Bon, on va déjà changer ça. On va y aller petit à petit parce que... Sinon, on va très vite être ruiné. Donc, c'est peut-être là qu'il y a l'intérêt du prêt, pour le coup. Je commence peut-être à comprendre pourquoi il y a ce prêt. Donc là, on va lui mettre ça. Filtre à air rouge. Clac. On va changer les bougies. Je les ai achetées, c'est pas pour rien. Et puis, on va aller faire un premier essai comme ça. Voir si ça passe. S'il y a besoin, ben on va remettre autre chose. Donc là, on va passer en démontage. Bon, peut-être que c'est des pièces que je vais pouvoir réutiliser. J'en sais rien. C'est bien parce que c'est peut-être un DLC qui va... être si long que ça à l'arrivée à faire, et ça c'est cool. Allez, je change ça, puis on va aller à la piste. On va passer en mode montage. C'est une voiture un peu test. C'est la première, on est tranquille, on a des belles bougies rouges. Joli. Donc là, bah, je vais lui remettre malheureusement ça, parce que ça coûte quand même horriblement cher, hein, les autres. On a vu le prix. Hein. 600 balles, pour le moment, on peut pas se permettre. Hein.
C'est même un peu ridicule finalement parce que... Finalement on peut pas trop modifier de choses. Pourquoi j'ai enlevé une bougie? Ah bah oui j'ai pas mis les autres, je voulais dire. C'est normal. Voilà, on va aller faire le test. Maintenant que le véhicule est tout remonté. Donc après vous allez me dire je peux vendre les pièces que j'ai démontées. 24 balles, et puis une bougie neuve, 20 balles. Bon, je vais les garder pour le moment. C'est pas pressant à la seconde. On va aller tester le véhicule. Voir si c'est suffisant. Mais normalement ça devrait. Hein. Alors faut pas qu'on loupe le départ. On va bien regarder le feu. Voilà, orange, orange. Ah zut, j'ai dû rater un peu de temps. De toute façon, il va falloir que je recommence. Donc en dessous de 14-10, c'est ça. Hein. Bon bah on est trop en retard, mais j'ai fait un feu départ quand même. Ouais, je suis à 14,79. Si j'avais bien eu le départ, j'étais bon. Ça va pas être si simple que ça à l'arrivée. Donc en fait, faut que je démarre quand le feu arrive. Ouais, ça me l'apprend pas, mais bon, je connais mon erreur, donc je vais recommencer. J'ai démarré beaucoup trop tard. Voilà, on va même accélérer. Ah bah là je devrais être déjà beaucoup mieux. Par contre j'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Quel contour était bloqué. Là on devrait être à 12 ou 13 secondes. Ah c'est pas bon. Encore falloir des pièces en plus. Ah bah c'est pas évident. On a gagné que quelques centièmes de seconde. Alors qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour pas trop cher? Catalyseur V6, parce que là on est sur de la voiture V6 clairement. Donc 2800, je pourrais changer le collecteur d'échappement qui coûte pas trop cher. On peut s'amuser à changer l'embrayage, oui. Bah ou change le module. Changer la pompe à carburant, ouais. Les pneus, c'est beaucoup trop cher. Que l'échappement, il en faudrait deux pour être bien. Après, on peut s'amuser à changer un peu de tuyaux. C'est des pourcentages infimes de puissance, mais bon. Ça coûte 700 balles, la pompe. On peut éventuellement y en mettre une neuve. Ou alors, je change le module. Alors on a une module, oui, module 6%, il serait peut-être presque... Ouais, mais je vais y passer 1000 balles dans le module. Non, je vais changer la pompe à carburant, allez. Elle coûte 700 balles, ce serait peut-être suffisant. On va la lever. Faut absolument qu'on arrive à gagner ces 10-20 centièmes qui nous manquent. C'est pas si évident que ça, en l'occurrence. Hein. Ça, c'est pareil, c'est étonnant qu'on puisse pas le changer, le filtre. Ma foi, on va prendre ce qu'on a à prendre. On va remonter la neuve. Voilà, et noir. Bon, premier avis pour le moment, à blanc comme ça, sans... Vraiment en mode découverte. J'y trouve sympa. Mais... Après, voilà... En connaissant la suite, bien sûr, j'ai envie de dire peut mieux faire, mais... On sait que... Ouais, la voiture reste bloquée, en fait, quand j'accélère. Bon, enfin... On perd du temps au démarrage, parce que les pneus accrochent peut-être pas. Là, je suis à fond, je peux pas aller plus vite. On n'est pas bon, 14-31, on gagne vraiment rien. Hein. Encore falloir changer des pièces. Et eh ben on va continuer. On va essayer de taper dans l'échappement ou... Il me reste combien là? Bon on tape dans le prêt hein, s'il faut. Il me reste plus que 800. Donc de toute façon je vais pas pouvoir changer rafale de pièces. L'embrayage j'aurais pas assez. Alors après on peut gagner au niveau du tuning en essayant de taper le 20%. Au moins ça coûte rien. Dans la soufflerie à côté là, ça pourrait être une soluce. Changer juste le plateau
sans le disque, un peu ridicule. Puis juste un tube d'échappement, c'est pareil, c'est un peu bête. Je vais essayer le programme EEPROM là, de voir si je peux pas lui faire gagner plus. Peut-être ça qui nous dépatouillera. Hein. Voilà, donc on avait 10%. On va essayer de viser le... Le 20, quoi. Allez, ça s'annonce bien. Là, j'y suis presque. Facile cette phase, vraiment pas facile. Je pense qu'on est obligé de jouer sur autre chose. Et si je suis à 5, pour moi elle va perdre. Donc c'est pas une avance. Vous voyez là je suis à 5, pour moi c'est pas bon. Ah non, il faut qu'on arrive à taper plus haut. Là je suis encore bon. J'arrive à faire une ligne au milieu. À chaque fois je redescends. Ah, là je suis bien pourtant. Ah, je vais essayer de prendre celui-là. On est dans le vert, on n'est pas à 20 complètement, mais bon. On était à 305. Elle est retombée à 305. Ah, je suis à 375. On sent à la fin. Allez, on va aller faire un test comme ça. J'espère que ça passe. Plus on aura d'argent, je pense, le plus ça va être simple, mais... Là, il va falloir se dépatouiller du truc, au moins au début. Sans trop se ruiner, parce que là, on a plus de sous. Ça veut dire que mission prochaine, on va être qu'à 2800. Si... Alors, moins qu'on gagnerait plus, parce que c'est possible. J'ai jamais trop compris le jeu, comment il fonctionnait au niveau des rentabilités d'argent. On est bon. 14,08 de pile poil. Hein. Donc a priori, ça doit être bon. Là. Mais de justesse. Hein. Bon, si ça peut nous débloquer la prochaine, c'est bien. Alors, est-ce que ça l'a validé? Ouais, c'est bon. Donc il n'y a rien de plus à faire, on peut la rendre comme ça. Alors 2000 d'annoncé, on va voir si on est payé 2000. Maintenant. Et puis si je vois que les pièces que j'ai enlevées ne me servent à rien, bien sûr on les vendra au fur et à mesure. Ça nous fera toujours encore un peu de sous. Donc là on a une autre voiture, ça a l'air d'être la même chose, il faut qu'elle fasse 16-10. Donc ça serait la Golf. Ah j'ai compris, tant un car miles et tant un 8. En fait, à mon avis, il y a deux possibilités. Là, il nous demande un quart. Sinon, sur certaines missions, j'imagine, ils nous proposeront un 8. Je pense que c'est comme ça. Que c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est 16-10. Tous les équipements nécessaires sont listés. C'est lui. On est payé un peu plus cher, donc ça, c'est rassurant. Je vais aller voir si on a eu plus que 2000. Ah bah oui, on a eu clairement plus que 2000 parce que... C'est vraiment bizarre.
Je suis à 5003, donc déjà, on part déjà beaucoup plus haut. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors, on a un peu plus de sous. Donc à la rigueur, on pourrait s'amuser à changer différentes choses sur les voitures sans, pareil, trop se ruiner au début. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Donc on a fait filtre, c'est pas ce qui gagne le plus. Je vais regarder par rapport au gain de puissance, ce qui gagnerait le plus. Si on peut éviter de faire par exemple le tuning là-bas sur celle-là, ma foi. Vous voyez, les bougies 0,25, hein, ça gagne pas grand-chose en soi. Alors on pourrait s'amuser éventuellement à jouer sur l'échappement sur celle-là. Parce que c'est la classique elle. On pourrait mettre ça à 1200. Là, on gagne beaucoup pour 3000. On coûte que même 2200 sur celle-là. On sera à 9% de puissance en plus. Je change ça plus ça. 9 et 6. Et puis on peut même éventuellement essayer de changer une pompe. Les roues, ça va être encore beaucoup trop cher. Pour le moment. Allez, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire obturateur, là, donc le collecteur d'admission. Et la culasse. Normalement 2002 plus 1005, ça passe. Je vais démonter ça. On va encore rester sur des éléments moteurs. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender, ce jeu-là. Vraiment jouer sur les prix. Puis ça va nous faire voir un petit peu les possibilités. Ou alors je joue sur... je pense que je vais pouvoir les vendre, ouais, ces pièces. Hein. Je fais un filtre à air aussi neuf, tant qu'à faire, puisqu'on est sur l'admission. Qu'on essaie de faire les choses un peu logiquement. Donc là, on va essayer de faire un débit d'air un peu plus élevé. Bon, l'attaque. Bah ça, je vais l'enlever. De toute façon, je vais devoir enlever ça puisqu'on va changer la culasse. Donc tout ça. Ouais, vous voyez, c'est vraiment à partir de ce DLC là que finalement on va commencer de pouvoir un peu plus toucher les éléments moteurs. Culasse, tout ça. Alors on n'ira pas jusqu'à piston, soupape, tout ci, tout ça. C'est sûr. Là, il faudra encore attendre la suite. Mais en tout cas, on s'en approchait. Et donc du coup il va falloir que je démonte tout ça. Bon bah écoutez, enfin, c'est pour la bonne cause. Ouais, il faut même que j'enlève ça. Ça, il n'y aura pas besoin, juste la courroie. Et est-ce que je peux enlever ça maintenant? Oui, c'est bon. Vous voyez, paf, on arrive directement. Bon, ça nous permet de voir au moins la gueule du moteur, ce que ça ressemble. Ah, c'était plus que simple. Hein. En soi, on a l'impression que c'est... Déjà, on a l'impression que les pistons sont tous à la même hauteur, ce qui n'est pas du tout logique. Et réellement, il y a des temps moteurs, chaque piston aurait. Aurait pas la même hauteur, hein, théoriquement. Donc, ça, voilà, c'était plus que moyen. Mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Allez, on y va. On va essayer ça. Au pire, après, je peux jouer sur le banc de puissance là-bas si besoin. Donc, on a dit qu'on changeait ça. Normalement, c'est celle-ci. Il y en a pour 2200 balles. Donc, tant qu'on y est, on lui met un filtre. C'est pas très cher. Est-ce que j'ai encore assez? 3000. Ouais, normalement, c'est bon. Tac, tac, tac. Il nous reste même 1500. Mais bon, si on peut commencer à économiser pour les voitures suivantes, peut-être ce serait suffisant. J'aime bien le concept, j'aime bien le concept, pour le moment, c'est intéressant. Peu de pièces, certes, forcément, hein, on connaît la suite. On sait qu'après, on pourra toucher à beaucoup plus de choses. Mais ma foi, pour un début, c'était déjà très bien. Hein. Moi, je trouve. Hein. Ah oui, c'est pas du tout la même couleur. Wow. Donc ça se trouve, je me dis même, la voiture qu'on avait eue en cadeau, là... à la fin de la première partie,
Elle était peut-être en élément justement un peu comme ça, parce que rappelez-vous, elle brillait partout. Peut-être elle était montée en élément tuning justement un peu. Pour justement arriver, prévoir l'arrivée de ce DLC là. Peut-être c'était ça l'idée. Je sais pas trop. Et une voiture à son temps, on essaiera de se faire tout ce qui est allumage avec le module, bougie, faisceau. On va bien trouver. Je sais pas combien ils ont mis de véhicules. Hein. Mais je vous dis, j'imagine une vingtaine. Mais bon, si c'est que ça, je vous dis, ça peut aller assez vite. Hein. Finalement. Bon, je pense pas qu'on fera tout dans un live quand même. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé les bougies, mais... Oh, de toute façon, elles sont toutes bonnes. Hein. Donc là, on est complet. Le filtre à air neuf. On va voir si c'est suffisant. Je vais aller faire un premier essai. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et puis, bah si c'est pas bon, à l'arrière, je peux jouer sur le... Je peux jouer sur le truc à côté. Ce qui nous coûtera le moins d'argent et qui nous fera toujours gagner un peu de pêche. Bon. Ça va être juste au niveau des pièces, par contre, ça va être chiant parce que du coup... je vais quand même encore garder pour le moment. Pour le moment. Donc là, on serait complet. Il faut qu'elle fasse 16-10. En dessous de 16-10. Allez, on y va. Alors, une couleur un peu particulière au passage. Mais bon. Allez, on fait comme tout à l'heure. Accélération. On va surtout pas tourner le volant, parce qu'on perd du temps. 16-10, on n'y sera jamais. Il va falloir plus. Ah, il manque pas tant que ça. Donc un petit coup de valise là. Ça peut le faire, un petit coup de programme et prom. Un peu suffisant. Sans aller bien loin, ça se trouve un 10% grand max. Allez, comme ça j'économise de l'argent pour les prochaines voitures, on va voir d'autres choses. Je pense que j'ai compris à peu près comment faut faire le truc. Donc là on est parti, on va déjà essayer de partir directement. Bah le max en tant qu'à faire, mais ma foi on va prendre ce qu'on peut prendre. Pour le moment ils ont pas l'air trop terribles à prendre. À 5%, je sais pas si c'est suffisant. Essayer de tenter plus. Tant qu'à faire. Vraiment pas évident ça. Je suis en bonne voie là. Yes! Ah bah là j'ai le top. Allez, c'est celle-là qu'il nous faut. Là je pense que ça devrait ronronner sévère là. J'espère en tout cas. Là la Golf elle va s'envoler. 204. Allez, c'est pas mal. On a gagné. On a gagné 54 chevaux là. C'est énorme 54 chevaux déjà. Allez, ça roule. On fait le test. Et puis si c'est bon, ben on passe à la troisième voiture. Alors on va commencer à avoir beaucoup plus d'argent pour la troisième. On va pouvoir taper dans des trucs un peu plus intéressants. Allez, je vais essayer de lui laisser les roues droites. Cette fois-ci, sans tourner mon volant, parce qu'on perd quand même du temps quand on tourne. Oui, elle est en ligne droite. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la voiture va dans le mur si je la laisse droite. Ah oui, faut que je tourne. Donc elle part sur la droite. 16-25, c'est pas bon. Hein. Ah zut. J'ai peut-être trop tourné. Je vais réessayer quand même un coup. Manque pas grand chose, hein.
Ça se joue à rien. Ouais, elle m'emmène sur la droite déjà du départ. Voilà, tac, j'ai juste un petit coup de volant. Là, théoriquement, elle doit être capable d'aller droit. Ça sera pas bon. 16-25, ouais, donc il n'y a rien à faire, ça change rien. Bon. Il faut qu'on modifie encore quelque chose. Allez, c'est pas grave, on va y arriver. C'est le but. Alors, il nous reste combien d'argent? Sachant que je peux faire quand même un peu de sous en vendant mes trucs. Il nous reste 1500, c'est pas comme s'il nous restait rien. 1500, on peut quand même faire des choses. Changer le collecteur d'échappement, ça me fait essuyer parce qu'il faut démonter toute la ligne. Donc, il y a moyen quand même d'avoir mieux. On gagne 4%. Sinon, je change le faisceau à 300 balles. Ouais, mais faisceau bougie. Ah, ouais. Les 1500, le module, c'est bien, mais je prends tout. Alors bon. Embrayage, on va faire ça sur une autre voiture. Un embrayage complet neuf. Je change juste le pot d'échappement, ça coûte pas très très cher. C'est juste l'arrière. Allez, on peut essayer ça. Juste lui changer le bout du pot. On va essayer ça. Ça sera peut-être suffisant. Il ne manque rien. Hein. On est à 16-25. On va faire plus de bruit pour moi, un peu d'échappement, mais c'est tout. Je ne sais pas si ça a une réelle incidence. Bon, on va dire que oui. Voilà, je vais te mettre ça neuf. Celui-là. Ah, c'est le DLC pour les Jackie Tuning. Hein. Non, très simple. C'est peut-être le défaut que je pourrais lui dire. Peut-être un peu simple à mes yeux. Mais bon, le jeu était simple hein, de base. Hein, donc voilà, on peut pas non plus trop y en demander. Les éléments meilleurs vont arriver, bien sûr, par la suite. Hein, on le sait. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Allez, c'est reparti. Essayer de la faire tourner au dernier moment, mais j'ai peur de me bouffer le mur. Ah non. C'est encore pas assez. Ah, c'est pour vrai. T'es obligé de changer les bouts de tuyaux. Bon sang. Ben, on va aller un peu plus loin. Ah, il en faut pas beaucoup. Donc, j'ai pot d'échappement. Après, on est sur du 1% par tube, quoi. Théoriquement, il lui faut ça derrière. Et puis ensuite, ça serait un ça plus un silencieux. Silencieux central, on est à 3%, ouais. 700, et puis le bout de tube. 700, il est à 300. 8, 9, 10, ça fait pile poil 1000. Ah zut, pour moyen de faire moins. Ça j'ai changé. Faisceau on est à 300. Puis, il faut 4 bougies. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Ah bah pour 700 balles, je peux avoir bougie faisceau. Allez, on va essayer ça. Hein. 3, 4, ça me coûtera toujours un peu moins cher. J'ai 3% de puissance en plus. Enfin non, si, 3%, 50% pour 2, ça fait 1%. Que si j'avais fait tube, j'étais à 1, plus, ah j'aurais été à 4. Ouais bon, mais bon j'en ai pour plus cher donc. L'arrière là, le clé de moi de ma réussite c'est plus l'argent là pour le moment. M'en fous hein, d'être. Allez, il n'y en a pas pour longtemps. Oup. On fera pas mieux de toute façon au niveau du chip tuning. Là.
On va y en mettre des rouges. Elles sont sympas les bougies rouges là. Elles sont jolies, je trouve. Voilà. Ça, ça sera rouge aussi, du coup. Dis donc. Alors, il aurait fallu un module hein, pour être bien, mais bon. Polissou. Voilà. Allez, tu passes en dessous de 16, 10 maintenant. Avec ça, ma petite. Ouais, t'as 16, 11, 12, vous allez voir. Oh, les boules. Allez, le problème, c'est qu'on a plus de sous. Après, faut faire l'emprunt, quoi. On sera peut-être obligé, hein, dans cette partie-là, de le faire. 14, 15... 16, 12, bah tiens, c'est en plus, c'est ça. Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, je peux peut-être gagner sur ma... sur mon coup de volant. Est-ce que je retente ou pas? Ah, c'est rageant, là. Il nous reste 300 balles, je peux rien changer pour 300 balles. Mal joué. La pompe elle est à 700. Si je peux changer le bout de tube. Ben écoutez, on va pas trop avoir le choix. On va faire ça. Alors, faut pas qu'on se trompe. Je vais peut-être le démonter avant de l'acheter parce que. Qu'on parte bien sur le bon. Tant pis, on sera à zéro. Et on devrait être rémunéré pas mal. Et puis. Ah, bah pourquoi que je peux vendre mes pièces? Allez, je fais cette dernière tentative là. Donc, c'est bon, c'est bien le tordu. Après, ça devrait peut-être se solutionner. C'est ce qui nous manque, hein, clairement. Hein. Donc, je veux le tordu. Allez. Donc, c'est bien celui-là. Pour 300 balles. Allez, j'ai plus de sous. Mais on n'a pas tapé dans le crédit. Pour le moment, c'est ce qui compte. J'aimerais bien, si possible, éviter de le faire. Je suis bien sur le doré, là. Sur le beau. Et on lui remet celui-là, bien évidemment. On a besoin de tout ça. Hein. Voilà. Allez, après ça, ma jolie, ben, je sais pas. C'est pas ce qu'il te faut. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué que... mon départ, je le sens. C'est un 16-12. Ouais, mais je pense que je peux gagner sur le départ, donc on va recommencer. Finalement, je me dis, ça peut être... ouais, ça peut être intéressant, voilà, sur le début, sur 2-3 voitures, j'ai envie de dire. C'est pour ça, j'espère qu'ils en ont pas mis beaucoup quand même, parce que finalement, à la longue, ça va être très 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 répétitif. C'est l'effet que ça me fait à première vue. On va tout le temps être livré à la même chose, en fait. CS15, putain, mais c'est mal fait, ça. J'ai fait un meilleur départ, là, je trouve. Là, je vois pas ce que je peux faire de plus. C'est pas hyper bien optimisé, quoi, je trouve, quoi. On nous aide pas, finalement, parce que... à ce compte-là, il faudrait qu'il nous fasse débuter le jeu avec un peu plus d'argent, quoi. Après, on me dire, c'est que oui, c'est à nous de gérer, en fait, peut-être plus qu'est-ce qu'il faut réellement changer, quoi. Je vois peut-être plus ça comme ça. De toute façon, si je vends mes pièces, je vais pas gagner des 1000 et des 100. Hein. Ah si, quand même, il y a moyen de gagner un peu.
105. Bon, ça, ça va pas aller chercher loin. 158, ouais, ça vaut le coup. Bah, la culasse, ça, si elle vaut des sous quand même. Là. Bon, on va faire les fonds de tiroir. De toute façon, autant que ça serve à quelque chose. Ouais. Ah oui, on va remonter à plus de 1000 là. Ah bah là, ça va changer la donne. Allez, on va pas s'embêter. À ce compte-là, les pièces, on va les vendre au fur et à mesure. Hein. On les enlève, on les vend. Je vois que ça pour se dépatouiller. Et puis bah du coup, on va pouvoir taper sur quelque chose d'un peu plus gros. On est remonté à 1007. Ah bah oui, bah ça va aider là. À ce compte-là, faut qu'on continue sur la ligne. Donc j'ai changé ça. Donc après c'est le silencieux central qui va faire gagner 3%. 3 ouais. Avec ça, bon sens, ça devrait être quand même suffisant. Coucou Nicolas, salut à toi. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu en live. Ça fait plaisir. Allez, on va y arriver ou pas? On va changer ce silencieux là. J'espère que ça va le faire. On sait qu'on est réussi à descendre à 16-12, donc bon. Alors peut-être que je devrais faire un démarrage sans accélérer aussi. On peut faire une tentative. J'ai l'impression que ça n'a pas un gros impact. Quelques problèmes professionnels. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Si ça s'arrange, c'est le principal. Malheureusement, ce sont les aléas de la vie, ouais. Assure-toi, tu n'es sûrement pas le seul. Justement, les lives que je fais, puis peut-être même d'autres personnes, sont là pour peut-être te détendre un peu. Si jamais t'as besoin de décompresser. Allez, on y croit cette fois-ci. Oh putain, mais on est même encore pire. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que cette piste? Bon, on va faire en accélération du départ. Parce que là, clairement, j'ai dû rater du départ. Alors normalement, on doit être suffisant hein, pour y arriver. Je piche pas trop là. Allez, on l'accélère du début. On va pas s'embêter. Hop, 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 hop. Là, elle est droite. On la laisse droite. Allez. C'est bon. Eh bien, c'est pas simple, hein, les amis. Putain, non, non, non. C'est pas simple du tout. Allez, et de deux. Voilà. Suivante. On va gagner un peu de thunes. D'ailleurs, je vais vendre la pièce que j'ai changée, là, parce que du coup, je vais me retrouver qu'une pièce en plus. Alors. C'est une voiture verte. Ils ont choisi des couleurs flashy. Hein. C'est la Vulcan Family. Ça me fait penser à la voiture dans Fast and Furious, là. Comment c'est? Alors là, c'est 17-30. C'est du 1 quart. 7000 balles. Ça monte en sous. Ça me fait penser à la... Comment c'est son nom? C'est dans le... Dans celui de la Chine, là. Enfin, de la Chine. Si, c'est en Chine. Comment que c'est le nom? Il a une voiture comme ça, verte, là. Une espèce de monospace, là. J'ai perdu son nom. Non, lequel? Ça me fait penser à cette voiture. Si vous voyez de quoi je parle... Je suis sûr de mon coup. Bon, c'est pas cette voiture-là, mais... En tout cas, ça y ressemble.
La couleur est la même. Alors, ici vous avez regardé les Fast and Furious. Moi j'en suis un grand fan moi, des Fast and Furious, j'aime bien. Bon, même si voilà, ça reste de la cascade pour beaucoup, et c'est vrai que c'est un peu gros des fois ce qu'ils font dedans, mais bon, faut ça détend, je trouve. Il y a des gens qui aiment pas après. Moi j'aime bien. Pour le côté histoire, en tout cas, c'est bien. Pourquoi je regarde ça? Oui, non, c'était ça que je voulais voir, l'argent. J'ai 8320, c'est bien, ça monte. Donc elle, 17 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Pour 8000, il y a quand même moyen de gagner un peu. Ça, ça va pas rouler vite, ça, de base. Il est lourd comme voiture, ça. Donc justement, peut-être qu'on pourrait qu'on agisse sur des pièces intéressantes. On va essayer de lui changer l'embrayage. Il y en aurait pour combien d'embrayage sur celle-là? Voir si vraiment le rapport gain-puissance est intéressant. Un disque, c'est 4% pour 1000 balles. Plateau, c'est 3% pour 600. C'est pas excessif l'embrayage à l'arrivée. Pour, pour 1600, tu changes l'embrayage. Tu gagnes 7%. Après, tu gagnes 6% pour 1005 là. La culasse c'est bien, hein, 2000. Lui, il est cher, à mon avis, il doit faire gagner beaucoup. Sinon, je fais un comme ça plus le faisceau. C'est pas très cher. Pour moi, faut mettre les bougies pour la même occasion. Ça coûte pas excessif. On fait du faisceau bougie module. Filtre, bof bof. Elle gagne bien hein, à l'arrivée. Non, j'essaie de lui faire un combo embrayage, pompe, module. Déjà dans un premier temps. Les roues, on va se garder ça pour après. Hein, parce que vu le prix. Allez, on va partir là-dessus. Donc, on va lui changer la pompe. On va lui changer l'embrayage. Ça. Donc il me faut un disque. Il lui faut un faisceau normal. Il reste 4000 encore, c'est bon. Donc 4 bougies. C'est un moteur à 4 cylindres là-dessus. 4. Et je sais même qu'il me reste encore 3800. Et je peux encore jouer sur le truc là-bas. Hein. On va déjà partir là-dessus dans un premier temps. Collecteur d'échappement, c'est 4%. Tant que je suis sur l'embrayage. Oh, allez. Tac tac tac, de toute façon il faut que j'enlève le démarreur. Donc on va l'enlever tout de suite. Voilà, donc il va falloir que je démonte ceci pour avoir accès là-dedans. Et bien écoutez, on va faire déjà tout ce qui est là. Puisque j'y ai. Sinon je lui fous une culasse neuve hein, tant que j'y suis. Hein. J'ai assez. Allez, on va lui mettre une culasse neuve. C'est 2000, je crois. Tant que c'est démonté, profitons-en. Bam. Voilà, on va déjà changer ça, je vais l'acheter. Pas de pièces, bah 9% hein, quand même. Voilà, je vais garder les 1600 restants. On devrait commencer normalement à avoir un peu d'économie normalement. À la fin, bon sang. Après, ce qui va se passer, c'est que j'ai peur que le plus on avance dans l'émission, le plus le chrono soit serré. C'est ce que j'ai peur. Et que du coup, ça va demander de plus en plus de pièces. Mais c'est pas grave, on fera le crédit si vraiment il faut. On va pas se priver de le faire. S'il y en a besoin. Donc ça, on est bon. Non, on n'est pas bon. Je vais pas remonter ça. Là, j'aurais même presque dû remettre le chapeau en dernier. Mais bon, c'est pas grave. On peut vendre les pièces. Ah, bah, on va finir par s'en sortir à l'arrivée. Donc on va la lever.
Mais avant ça, faut que j'enlève les cardans pour démonter l'embrayage. Alors après, je vous dis, ça va faire du bien de passer sur la suite. Parce que c'est vrai que celui-là est quand même vieillot, hein, faut le dire. Trop simple à mes yeux. Mais c'était l'intérêt justement de le faire. Qu'on voit vraiment la différence, hein, entre celui-ci et les prochains. Et c'est vrai que ça va faire plaisir. D'avoir mieux. Donc, on a accès à la boîte. Alors je commence petit à petit, j'ai pas beaucoup touché le 2015, je commence à le regarder un petit peu, à m'entraîner un petit peu dessus. Et bien je peux vous dire que il est pas simple de prise en main. Il est vraiment pas simple de prise en main, il y a beaucoup de touches qui changent par rapport à celui-ci. Et qui changent même entre celui-ci et les prochains. 2018-2021 sont sensiblement pareils au niveau des commandes, c'est même pareil. Et même le 2014, on arrive à retrouver certaines similitudes. Par contre, le 2015, il a absolument rien à voir. Je sais pas pourquoi ils avaient changé vraiment tout ça à l'époque. Peut-être c'était un essai technique, j'en sais rien. Mais, ah ouais, au début, tu galères. Hein. Mais bon, pour le temps que je le prenne en main. Et, mais il y a des belles choses, par contre, il y a des bonnes choses dessus. Donc ça, c'est bien. Bon, bah du coup, on peut monter la suite des événements. Et ça arrivera un petit peu plus tard, hein. il y aura une pause sur la chaîne, de toute façon, au niveau de car mécanique. Je vais pas lancer le 2015 à la suite de ça. Ça va sans doute revenir d'ailleurs en mode vidéo, il y a des chances. Parce que j'ai prévu peut-être quelque chose, et pour moi ça va être mieux en vidéo. Au niveau du montage notamment, parce qu'en live il y a des choses que je peux pas faire. C'est pour ça que ça va sans doute revenir en vidéo. Donc du coup, je vais gagner des lives. Moi, je le vois comme ça. Je vais gagner des lives pour vous liver peut-être d'autres jeux. Ou une autre série, on verra. Ou peut-être repartir sur des découvertes, on verra bien. Puisque théoriquement, ouais, on devrait perdre l'aventure car mécanique en live. Celui-là, je me suis permis vraiment de le faire en live parce que je trouvais que ça valait le coup. Ça permettait d'avancer vite dessus. On va quand même gagner un sacré paquet de nombre de vidéos, mine de rien. Pour voir tout le temps la même chose à l'arrivée. Et à partir des prochains, ça change un peu. Il y a beaucoup plus de véhicules, il y a déjà, voilà, on peut faire déjà beaucoup plus de choses en fait. Donc c'est pour ça. Alors, j'en suis au niveau des pièces, est-ce que j'ai tout remonté? Allez, je vends, de toute façon tout ça a été changé. Ça c'est la pompe à carburant neuf, faut pas qu'on la vende. J'aurais bien fait la boulette. Hein. On va aller la changer. Et je l'ai acheté, c'est pour la mettre. Allez, ferme ça. Bon, je pense que c'est suffisant pour cette voiture. Allez, bonjour à vous. Il y avait... Oui, bah, il n'y a plus, mais il y avait marqué 4 visionnages en cours. Donc, bienvenue. Si c'est des nouveaux, si c'est même des anciens qui regardent, pas de soucis. C'est pour ça que pour moi, c'est important des fois que vous veniez dans le chat. Écrire un petit message, quelque chose. Ça me permet de voir qui est là, en fait. Comme on fait Kevin et Nicolas, c'est cool. C'est sympa. Je sais vaguement qui regarde. Voilà. Allez, on va aller la tester. Voilà, celle-là, je peux la vendre. Voir si on passe le truc. Alors, c'est combien le temps? C'est 17... 17h30.
Bon, il y a quand même une seconde de plus, vous allez me dire une seconde, ça compte? Alors on va essayer de lui faire un coup de chip tuning, ce serait peut-être suffisant. On peut permettre de finir. Il en manque beaucoup quand même. Hop, on va pareil essayer d'aller chercher... Bah tiens, bim, en plein dedans directement. On va sauvegarder celle-là. Ça, ça a été rapide, dis donc. Ça fait 145 chevaux. Là, on n'a pas perdu de temps. Et on gagne directement... Ouh ! Ah bah là, ça devrait normalement se connaître. Si là, on n'arrive pas de gagner les 60 centièmes qui nous manquent, on change de métier, les gens. Allez, on est reparti. J'espère qu'on va pouvoir passer à la suivante. Essayez d'en faire encore un peu. Je peux essayer de le passer sur deux lives. Ça s'annonce bien pour deux lives pour le moment. S'il y a 20 missions. J'ai pas trouvé de playlist en soi sur YouTube ou quoi pour me dire un peu vaguement le nombre de missions. J'ai pas trouvé. 17-24. Allez, c'est validé, nickel. Et puis même sur Steam ou même en tapant sur internet, hein, tout simplement, j'ai tapé add-on DLC 1 Carmiles. J'ai pas trouvé de renseignements sur le nom. Autant le DLC 4-4, y avait sur Steam, le nombre. Mais alors pour celui-là, non. Donc je sais pas. C'est pour ça, pour moi, celui-là, il est un peu plus méconnu. Hein, je suis pas mécontent de le faire. Parce que je pense qu'il y a peut-être peu de monde qui l'ont vu finalement. Bref, c'est bon. La voiture verte là. Ouais, allez, suivante. Et vu qu'on a commencé à la facture 0, pour moi, c'est comme l'autre, on va finir à la 19. Je le vois arriver. 15,50. Ouais, ils vont nous passer toutes les voitures les unes après les autres. Ils se sont pas foulés, je trouve, quand même, après, pour les descriptions. Hein. Ils ont juste modifié les temps selon le véhicule et... Et au final, ils redemandent tout le temps la même chose. C'est vraiment là-dessus, par contre, que je suis un peu déçu. Mais bon. Au final, c'est vrai, on revient vraiment tout le temps pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à celle-là? Qu'avons-nous? Là-dedans, j'ai plus rien à vendre. On repart avec combien d'argent, là? On a plus de 10 000, là. Enfin, on a 12 000. On va commencer de pouvoir toucher des trucs un peu plus mieux. Les pneus 5000, sachant qu'il en faut 4. Hein, donc 5 et 5, 10, on peut encore même pas faire les pneus. Donc les pneus pour le moment c'est pas intéressant. On lui fait une ligne d'échappement complète. Et c'est une à double ou pas celle-là? Essayez de vous varier un petit peu. Dans la mesure du possible, non, c'est une simple en plus, donc elle va pas coûter... Ah, quoique. Elle va pas coûter horriblement cher. C'est la V6. On va essayer de faire toute une ligne complète, mais après, est-ce qu'on va gagner suffisamment? Je sais pas. En allant jusqu'au collecteur d'échappement? Allez, on va le faire. 12 000, je devrais quand même commencer d'avoir assez. Démontage. Ah oui, faut peut-être que je dévisse. Idiot. C'est pour juste le fait de cliquer dessus. Hop.
Ça, on devrait s'en tirer pour combien, toute la ligne complète? Mettons peut-être... Ah, je voulais dire 3000, mais à mon avis, ça va être plus parce que... Et vu qu'on est sur le V6... Après, les bouts de tuyaux sont pas extrêmement chers. Les petits bouts comme ça, là. Voilà, on est arrivé au collecteur. Et en plus, c'est un double, hein, donc... Collecteur d'échappement V6. Donc ça, ça va se faire par le dessus. On va déjà partir dans cette idée. On peut lui faire collecteur et puis admission. Allez, on y va. Collecteur admission. Si c'est pas suffisant, j'essaye un coup de... Un coup de tuning là-bas. L'idée, ça va être d'essayer de s'approcher de la mission 10 dans un premier temps dans ce live-là. Pour comme ça partir dans l'idée que s'il y a 20 missions, dans le prochain, j'arrive à le finir. Ça serait l'idée. Donc on a quand même encore un peu de boulot. On va essayer de faire encore, encore quelques missions. Alors, V6 droit, V6 gauche. 9 et 9, 18. Donc ça, il va me falloir. À celui-là, t'es écouté, hein. Je joue déjà quasiment 3000 justement pour le double. Il va le falloir aussi. Ça non, ça non. Ils vont nous faire faire un 4-4... Alors, va falloir que je regarde, là, parce qu'à mon avis, il va nous falloir ça et ça. Il va me falloir un collecteur d'échappement V6. Je vais regarder par rapport à ce que j'ai dans mon stock. Alors, j'ai le collecteur d'échappement V6, donc lui, je vends. J'ai... Le silencieux V6 arrière gauche. Je vérifie que ce soit bien les mêmes. Le V6 arrière droit, c'est bon. Le silencieux central V6, c'est bon. Donc il va me falloir un catalyseur V6. Un pot d'échappement AV6 et un pot d'échappement BV6. Donc c'est bon, c'est bien ce que j'avais à peu près vu. C'est assez simple. Un catalyseur V6 et donc un BV6 et un AV6. Voilà, on va déjà partir là-dedans dans un premier temps. Ça, ça dégage, ça, ça dégage, ça, ça dégage. On va remonter tout ça en commençant par là, oui, bien sûr. Puis je pense qu'on va aller faire déjà une première tentative, voir si on est loin du score ou pas. Si on est loin, ben on va taper dans autre chose. Ah, ce serait une ligne d'échappement complète. Un tas de vis pour ça, c'est affreux. Voilà, nickel. Tac. Je referme ça, sinon ça se ferme tout seul. Et on repart en dessous. Joli en noir, comme ça. Allez, on y va. Ok.
Et le dernier ici. Voilà. Je crois qu'on est bon. Yes. On essaie ça. Dans un premier temps. On va bien voir ce qu'il en ressort. Oh, le bruit déjà est pas le même là. Oh, le démarrage est très très long. On va pas avoir gagné du temps. C'est 15 et quelques qu'il me faut, je crois, celle-là. 16,92, je pense que c'est pas assez. On va voir. Je me rappelle pas combien que c'était. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est ça, 15,50. Donc on n'est pas si loin que ça quand même. J'ai fait du 16... Sticky... Ouais, il nous reste combien d'argent? 6500. Vu que c'est un V6, il va y avoir deux traîneaux comme ça, donc ça va coûter 3000 balles. Ça, il va lui falloir du ça. Et puis il y en a deux. Oh putain. On va essayer d'aller jouer là-bas. Mais je pense pas que ce soit suffisant. Ah, j'ai vu au démarrage, ça a été très très long. Elle a patiné très 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 longtemps. Facile à faire celui-là. Ouais, j'ai pas grand chose. Hein. Ah, je suis pas mal là. Allez, on va faire comme ça. À peine 17. Oh, 39. Bien. Bien, bien, bien. Allez, nouvelle tentative. Bon, j'espère que ça a un impact, hein, ce que je fais là. J'espère, mais je pense. Sinon, je vois pas l'intérêt de l'avoir laissé dans le DLC. Bon, on va le voir ici, justement. Théoriquement, on a une voiture qui est plus puissante, hein, théoriquement. Hein. Si on refait 16 et des bananes, ça veut dire que ce qu'on fait là ne sert à rien. Et que c'est pas pris en compte. Hmm. 55, on a pas gagné grand chose. Hein. Ok. Un peu dans du test hein, pour le moment. J'essaie de voir un peu. Il nous manque une seconde, hein, clairement. C'est énorme. Hein. Alors, si je change l'embrayage, est-ce qu'elle patinerait moins, peut-être, je me dis. Ça va nous coûter les yeux de la tête là, le. Ça serait intéressant, c'est sûr, parce que 9% on devrait 18 avec les deux, mais il y en a pour une somme. Et il me reste pas tant que ça. Il me reste 6005. Et c'est ceux-là en plus qu'il faut.
Ah, pour 6000 les deux, mais je peux changer que ça, quoi. Bon, ça va faire un très très gros gain de puissance. Hein. De l'embrayage, mais bon, après, est-ce que c'est suffisant? Ça, ça coûte pas horriblement cher. Regarde, on peut lui changer, c'est facile à faire. Au niveau de l'admission, c'est lequel? Celui-là. On va y essayer, 2000 balles. J'espère que c'est celui-là. Oui, si. Pour moi, j'ai pas assez encore pour une zone. Ça m'étonnerait fort. Tac. Et puis... J'avais pas dit que je voulais acheter autre chose. Oui, la pompe. Oh bien, tu peux fermer le capot. Heureusement qu'il y a mon collègue qui est là pour le faire. Qui se suivent et qui se ressemblent pour le moment à première vue. C'est vraiment vraiment le ressenti que j'en ai là. C'est bien sans être bien quoi. Même si dans les autres c'était ressemblant beaucoup aussi, c'est sûr. Mais là on est vraiment, on reprend toujours la même chose. Même pièce, même demande, même truc, hein. C'est juste ça là qui me chagrine un petit peu. Je m'attendais à mieux. $15,50, ça passera pas. Oh, va nous enquiquiner celle-là. Va nous enquiquiner. Bon. Mais il en faut encore. Hein. Il reste plus 4006. Ah là, l'argent est un trop gros problème finalement dans ce DLC là. On va être sans arrêt en train de... En train de compter. C'est une horreur. Voilà, moi c'est mon ressenti. Hein. Même chose et même problème à chaque fois quoi. On n'est pas libre à l'arrivée de changer ce qu'on veut parce que là ça va pas. Et en plus il y a même pas l'histoire des niveaux, donc de toute façon tu vas pas dire que tu vas jouer là-dessus. Hein. Je vais mettre deux modules. On va me faire 3000. Si je lui mets deux faisceaux après. Ça rajoute encore 1002. Ça vaut rien ça, 1%, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça à mon avis c'est sûrement intéressant, mais vu le prix... C'est un temps que t'as pas... Déjà, rien que pour changer les 4 roues d'une bagnole, il te faut 20 000. Ils sont abusés, les prix des roues, honnêtement. Ça, c'est pas hyper logique, je trouve. Hein. Ouais. On va essayer de changer ça, écoutez. Allez, ça il en faut 2. Il reste 1006. Il me reste 600 ou pas? 1094, ouais.
Ça, on arrive au bout du bout, là. 494, j'ai même pas assez pour les bougies, parce qu'il va y en avoir 6. Il me faudrait 600 balles. On va pas changer juste un côté de bougie, quoi, il y a un moment. Allez, en espérant que ça passe ce coup-là. Sinon, bah, on est obligé de taper le crédit, hein, clairement. Ah bah quoi, qu'en vendant ça, je vais être bon. Ouais, c'est... pas fan, hein. On sent que... ouais, on sent que l'idée était là, mais que... Que ça demande plus de boulot, quoi. Bon, heureusement, ils ont corrigé par la suite, hein. Parce que c'était bien parti, quoi. Je pense que c'était un essai, quoi. Moi, je le vois comme ça, hein, avec du recul. Hein. Mais je regrette vraiment pas dans un sens de finalement d'avoir... d'avoir fait ce DLC très 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 tard derrière. Et je vous dis, en connaissant ce qu'on va avoir derrière... Eh bien, on se rend compte finalement de beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est bon. Ça vaut un peu de sous en plus, donc ouais. Donc là, à l'arrière, je peux changer mes bougies le prochain coup. Si j'ai encore pas assez, mais... c'est déjà assez, hein, ce coup-là. Hein. Ça diminue. Bah écoutez, on va lui acheter 4 bougies. On va même changer le filtre. C'est pour ce qui coûte le plus cher. On va finir par l'avoir. Hein. C'est pareil, ce bordel-là. Il se change pas le débitmètre. Ça m'étonne. Il n'y en a point un mieux. Allez, on va lui foutre 6 bougies neuves. Puis après, bah, c'est les fameux... les fameuses culasses. Fameuses culasses... embrayage. Puis après, on a quasiment fait le tour. Hein. Donc je veux 6 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste combien? 1002. Ah bon. Un filtre, tant qu'on y est. Et puis après, j'ai 1100. Donc à la rigueur, on pourrait faire un... Et on n'aura même pas assez. Si, on aura assez en revendant les bougies. S'il faut encore un embrayage. Une catastrophe. J'ai pas enlevé les bougies? Ah ben non. Non, non, non. Non, j'ai juste enlevé les branchements, mais c'est tout. Fais gaffe de remettre des rouges, ça c'est bon. On passe par là. On vire les vieilles. Et voilà. Oh,
Je crois que le plus on va avancer là dans l'émission, le plus je me dis on va taper directement dans toutes les pièces à chaque bagnole. Hein. Parce que j'ai l'impression que de faire 15 000 essais, ça sert à rien. À l'arrivée, on va faire comme ça. Hein. Ça va être ça le meilleur gain de temps et la meilleure optimisation. Commencer par les gros éléments et puis... Mais finalement, il n'y a pas une grosse réflexion parce que... Ça revient tout du pareil au même. Mais on est bête et discipliné, on change des pièces quoi en fait. Hein. Voilà. Donc ouais. Satisfait sans l'être de ce truc là. Pour le moment. Et j'ai bien peur que ça change pas jusqu'à la fin. Allez, j'espère que c'est bon cette fois. Mais on va le faire. On va le faire quand même. De toute façon, c'est l'idée. Jusqu'au bout, on finit ce jeu. Vous savez, on dirait les boîtes de vitesse, là, des tracteurs, là. Machin à rapport sous charge, là. 16-9. Eh ben, c'est encore mort. Donc j'ai un peu fait n'importe quoi sur la fin. Je vais essayer de la laisser droite. Je vais la retenter, mais c'est encore pas bon. Mais je me rappelle de cette bagnole quand on faisait les tests sur la piste classique. Rappelez-vous, dans l'émission principale. Elle était hyper lente à lancer cette voiture. À mon avis, elle est hyper lourde cette voiture-là, et du coup, je pense que c'est ça qui nous aide pas. 16-07, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Ça me gonfle déjà, là. Vous voyez ? Elle est en train de me saouler, celle-là. Là. De toute façon, je te mettrai pas 4 roues, hein, ma grande. Hein. C'est niette. Hein. Ils coûtent beaucoup trop cher, les pneus. Je vous le dis d'entrée de jeu. Tant qu'on n'a pas plus d'argent que ça, c'est hors de question. Non, là, ce DLC me saoule, là, honnêtement. Finalement. Qu'est-ce qu'on va te changer, ma grande? Qu'est-ce qu'on va te changer? On a quasi tout mis, hormis les pneus et l'embrayage. Je crois qu'on a tout mis. Hein. La pompe, je l'ai mise. Et puis ça. Sinon, il aurait fallu commencer par... par ça. Les crédits, ça se passe comment là-dedans? Je vais vous faire une demande pour un seul prêt d'argent. Je sais même pas combien il te donne. On dit même pas combien on te donne. C'est... Pouf. Bah écoute, de toute façon, je vais en avoir besoin. J'ai pas le choix. On te donne 5000. Très clairement. Et si on reclique, on peut pas faire de demande pour un prêt d'argent. Ok. Donc avec 6000, je peux avoir mes deux... Bah, de toute façon, je vais les prendre. J'ai pas le choix. Allez, hop. Et à un moment donné, il faut bien qu'on avance. Enfin, je voulais pas le prendre, tant pis. Impression qu'on a guère le choix. Hein. Ça, c'est mal fait, je trouve. Mais bon. Peut-être moi, après, qui est mal géré. Hein. Peut-être. Hein. Je l'admets. Hein. Allez, zou. On va pas se poser de questions pour les prochaines, c'est moi qui vous le dis.
L'idée, ça va être vraiment de finir dans le live prochain. Je veux plus y mettre les hippies après dessus. Attends, j'avais plus envie là. Autant j'étais content au début de live de le faire, autant là ça me prend le chou. Ah vraiment. Allez, claque. Ça me prend le chou parce que finalement il y a aucun réel intérêt à l'arrivée. C'est ça là que je critique. C'est s'amuser finalement à changer des pièces pour gagner quelques secondes. Enfin, je vois pas le gros. Je vois pas l'intérêt du truc en fait. Et puis en plus, un peu aléatoirement limite, parce que finalement tu sais même pas réellement ce qu'il faut changer pour. C'est un peu encore une fois du au petit bonheur la chance quoi. Bon. Allez, claque. Là, théoriquement, avec tout ce qu'on a changé, ça devrait passer au chrono. Hop. Sur la voiture prochaine, on va essayer de voir selon ce qu'on gagnera sur celle-là. On est payé combien sur celle-là? Je pense qu'on doit être payé pas mal. 9000, ouais, donc ça veut dire qu'on va gagner quand même beaucoup. Allez, j'y crois cette fois-ci, j'espère que ça passe. Parce qu'il le faut. Hein. Si ça passe pas, moi j'y comprends plus rien. Hein. Ça va encore pas être bon, hein. Voilà. 15,80. Et il faut 15,50, je crois. Affreux. On vient quand même de changer des choses à 12%. Hein. Je rappelle, hein. Bizarre, vraiment bizarre. Il manque énorme. C'est le départ là qui fout la merde. Départ, on est beaucoup trop long. Bah, embrayage, hein, je vois plus que ça. Embrayage, et puis après c'est les pneus, donc sans les pneus je vais pas assez de thunes, hein. Clairement c'est game over là, si l'embrayage fonctionne pas, on pourra jamais les changer. J'ai vendu les pièces, oui. Est-ce que j'ai déjà assez pour un embrayage? Mais l'embrayage va peut-être faire notre problème là de rupteur là, parce que hop, elle me gonfle. Hein. Ça c'est 1000 balles plus 600. Bah on est pile poil juste hein. On n'a pas grand chose hein. Voilà, tac tac. On est parti. Et si ça marche pas, je coupe le jeu, je vous le dis tout de suite. Hein. Je coupe le jeu et je m'arrête là. Hein. Je vais pas plus loin. Hein. Parce que non. Je continue pas un truc qui est pour moi pas top quoi. Alors je l'ai levé, c'était pas chose à faire. Enfin, je verrai si je refais un live après pour le finir ou pas, mais là je sais même pas si je fais le dernier, j'en sais rien. Ça m'embête dans un sens de pas le faire parce que voilà, j'aime bien quand même avoir tout. Mais là non, je ne prends pas de plaisir honnêtement. Donc à un moment donné, se forcer pour quelque chose, ça sert à rien. Autant qu'on passe à autre chose.
J'avais espoir que ce soit intéressant, mais non. C'est ta dernière chance, mon petit gars, le jeu, là. Je le dis tout de suite, hein. Si tu ne me satisfais pas dans les 3-4 minutes qui suivent, tu vas aux oubliettes, clairement. Ah, ça va passer ce coup là, vous allez voir. Le jeu m'a entendu, il s'est dit ah, c'est bon, j'arrête de t'embêter. Je vais te valider la mission. C'est bon, je te fous la paix, j'ai compris. Hop. Voilà. Clac, on va mettre le démarreur. Et puis... Ah oui, il faut le faire par là. On met les joints. Allez, c'est bientôt le verdict. Donc je sais que j'ai deux pièces à vendre, du coup, pour faire encore récupérer quelques euros, quelques sous. Enfin, c'est pour ça qu'il va nous permettre d'acheter des pneus. Voilà. Allez, on vend. On vend. Allez, c'est parti. 15,50. Maintenant ou jamais, hein. Alors on peut faire deux tentatives, on peut faire déjà une première tentative comme ça en accélération complète. Après je peux faire une autre tentative. Regardez, j'ai changé l'embrayage, il n'y a aucune différence hein, pour moi. Et puis après faire une tentative en départ arrêté quoi. Il grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je vais le faire en départ arrêté quand même. Sans l'accélérer. Ouais, y a aucune modification, j'ai l'impression. Voilà, je l'ai fait en départ arrêté et ça change rien. C'est mort. Hein. Et pour m'acheter de pneus. Peut même pas. Ah, vous avez quand même la preuve en vidéo que je vous mens pas. Hein. On a tout changé, les gens. On a tout changé. Alors, on peut retourner voir là-bas quand même si je peux pas encore gagner quelques chevaux. Mais pourtant, je crois que j'étais déjà pas mal hein, sur celle-là. Attends, je l'ai fait sur celle-là, le truc. Je m'en rappelle même plus. Après, j'ai peut-être pas fait le machin, j'aurais de bronzer. On va faire un point sur les pièces. Ça, j'ai mis 9, c'est sûr. Toute la ligne d'échappement, elle est faite. En V6. Ça, on a mis. On a changé l'embrayage complet. Ça, c'est bon. On a les modules bons. Ça, je l'ai mis. La pompe, on l'a mise. Et donc, il me manque ces fameuses roues. Ah, j'ai tout pour moi. J'ai tout. Je crois même qu'on a le filtre air. Ouais, celui du milieu, il est neuf.
J'ai eu laissé un sursis en allant là. Ah, je veux quand même essayer de, voilà, de trouver des trucs bien, quoi, mais à un moment... essayer d'aller chercher à 20%, mais il me semblait qu'on l'avait pourtant, non? À 10%. Essayer de faire plus. J'ai 5, 6, je sais pas combien que c'est. On a 5. On va continuer dans l'élan qu'on est parti. J'en ai encore un plus petit. Ah, oh, je l'ai perdu, zut. C'était bien parti tout à l'heure. Tiens, là je peux pas être mieux les gens. On est au max du max. Hein. Là, on peut pas faire mieux. 104%. Avec ça, si ça y va pas, ce coup-là... Ce coup-là, moi je sais plus. Hein. J'aurais vraiment tenté le tout pour le tout. Pour sauver ce jeu. Voilà. Oh, ce qu'il vaut pour faire, tiens. Allez, c'est ta dernière chance, ma petite. Ce coup-là, c'est sûr. Oh, ça me fait rire, tiens. Regardez donc. Tiens. Ah non, mais non, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. C'est quoi cette daube? C'est quoi cette daube? Mon Dieu. Ah, c'est bon, j'ai compris. Hein. J'ai compris l'intérêt du truc. Bah, y'en a pas. On nous amuse, clairement, avec ces pièces à la con. Là. Non, c'est de la couille en bâton, excusez-moi pour le terme, mais les pièces n'ont aucun intérêt sur votre voiture. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Hein. Voilà, le bonhomme du prêt, il veut plus nous en donner. Voilà. Fabuleux, hein. On est bloqué là, les gens. Voilà. On n'ira pas plus loin. Non, là, je vois pas comment on peut faire. Hein. On va pas recommencer. C'est tout. Être plus économe sur les premières, je sais pas. Pour lui acheter des roues. Mais ça veut dire que pour lui acheter des roues, il lui faut au minimum 20 000 euros de départ. 20 000 euros, on les prend où? Moi, je sais pas. Si vous avez, vous, une idée, je suis preneur. Vous voulez te prendre dans ma... Dans mon compte personnel, peut-être, je sais pas. Non, il y a un très gros couac là. Très clairement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce DLC, finalement, on le voit très peu sur YouTube ou je ne sais quoi, parce que. Ben, peut-être que les gens, finalement, n'ont jamais réussi à le terminer. C'est ce que je me dis. J'ai peut-être découvert une faille du jeu, je sais pas. Ah, ça me fait chier parce que... Parce que ça aurait pu être bien. Ça aurait vraiment pu être bien, mais... Mais là, non. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais... Je vois pas quoi.
J'essaie de regarder un peu. Alors vous allez me dire, en vendant les roues, je vais gagner de l'argent. Combien qui me les achète une roue de celle-là? On est obligé de brader la voiture pour s'acheter des pièces, que c'est dramatique. Dramatique. Un pneu coûte 5000. Si j'en enlève une, je mets de la vie, m'achète une roue. Il doit me rester 600 balles, je crois. Je vais même pas m'en acheter une. Ah non, faut que je garde celle-là. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est fabuleux. Ah, je suis ravi, vous imaginez même pas. Bloquer vêtements comme ça, quoi. Contrôle technique, qu'est-ce que ça va nous apporter? Rien. Alors c'est pareil, j'aurais pensé à un truc. On n'agit pas sur les pièces moteurs, de toute façon, en soi. Je voulais dire, est-ce qu'en réparant des pièces, ça lui donnerait plus de pêche? Je pense que ça va changer. Pour moi, c'est cette voiture qui est une daube. C'est tout. Même la Golf, tout à l'heure, elle avait plus de pêche. C'est ça, là, qui nous fait perdre trop de patates. Mais vraiment, ce broutage qu'il y a là au début, là. On est à la porte du truc, quoi. Conduire la voiture, bah oui, conduire la voiture. On fait exactement le même résultat à chaque coup. Il faut exactement le même temps pour parcourir la piste. Non, bah écoutez les gens, on va se quitter là. Hein. De toute façon, je veux pas aller plus loin. Ça sert à rien, je peux pas aller plus loin. Donc là, je sais pas. Je vais regarder de mon côté s'il y a quand même moyen de se débloquer. Je sais pas. Bah alors si on est bloqué sur celle-là déjà à la troisième et que je pars dans l'idée ouais, qu'il y en ait 20, eh ben on n'a pas fini de cliser. Voir quand même si je vais essayer de mon côté quand même avec l'histoire des pneus. Puisque je peux refaire la mission, ou alors sinon c'est ça qu'il faut que je fasse, faut que je refasse la commande. Et il y a cette possibilité là. Je sais plus comment, mais il y a cette possibilité là, si c'est là. Recommencer la commande. Pas revenir en arrière des autres, parce que ça, à l'arrière, les autres sont bonnes. Mais sur celle-là, il faut absolument que j'économise plus, parce que de toute façon, ça agit sur rien. Pour essayer de changer les roues, mais... jamais de la vie, je peux trouver 20 000 balles, quoi. Jamais. Je vais regarder ça, écoutez ma foi, je vous remercie quand même d'avoir regardé pour ceux qui auront été présents. Désolé de devoir vous quitter comme ça, mais là moi j'y peux rien. Vous aurez vu jusqu'au bout, j'aurais essayé de trouver une solution.
je vais essayer de regarder ça, et puis, ma foi, bah, je vous retiens au courant. Si vous revoyez passer, je vous tiens au courant dans l'onglet communauté, je sais pas quand ça sera, sûrement la semaine prochaine, j'en sais rien. Le temps que je fasse le nécessaire. Essayer de regarder pour quand même pas essayer de d'arrêter cette série quand même, essayer d'aller au bout. C'est ce que j'aimerais quand même. Essayer de la débloquer pour qu'on puisse essayer de le finir, quoi, parce que là je vois pas. Voilà. Et bah allez, je vous souhaite une bonne soirée en attendant, et puis on se retrouve quand même pour la suite. La semaine prochaine, théoriquement. Allez, ciao, et puis merci à vous. Pour ceux qui auront été présents, je vous dis bye bye.